Depuis la semaine dernière, vous avez votre menu de Noël complet, entrée, plat, dessert. Et cette fois, c'est le plat bonus, le plat à base d'un produit typiquement lyonnais, la Lyonnaise Touch, comme dirait le chef. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire un... Au lieu de faire un saucisson brioché, on va faire un saucisson lyonnais à cuire dans une pâte feuilletée avec une duxelle de champignons et du chou. Ok. Dans l'idée d'un bœuf Wellington, mais avec un produit lyonnais qui est le saucisson à cuire, typiquement de chez nous. Okay. Donc pour ce faire, on aura besoin de faire une duxelle de champignons, donc à savoir des champignons de Paris, des échalotes et de l'ail, du beurre traditionnel, des feuilles de choux, donc des gros choux verts d'hiver, un saucisson lyonnais et une pâte feuilletée qu'on peut acheter soit dans le commerce ou encore mieux chez son boulanger. Ok, on commence par quoi? On commence par faire la duxelle de champignons. Allez. Donc une fois que mon ail et mon échalote sont revenus, j'ajoute les champignons. Et là, je vais assez rapidement saler et poivrer, ce qui va permettre aux champignons de rendre leur eau naturelle. D'accord. Et du coup, de cuire plus vite. Il n'y aura pas trop d'eau après, disons. Bah justement, le but, c'est de retirer un maximum d'eau pour que ma duxelle soit le moins liquide possible, pour pas qu'elle rentre trop d'eau dans ma pâte feuilletée. Et là, je laisse cuire pendant une dizaine de minutes en surveillant que ça accroche pas. Et après, j'ai juste à le mixer pour obtenir une duxelle. Parfait. On passe au saucisson? Oui, allez. C'est parti. Donc, je dispose mes feuilles de choux. Voilà. Ouais. Ensuite, j'étale ma duxelle. Le but étant que ça englobe tout mon saucisson. Et là, je viens déposer Le saucisson. Et après... Et là, comment on va faire là? Tu vas rouler. On va rouler pour créer un boudin. Comme une bûche, tu sais? Exactement. Ok. Je prends mon boudin et je vais le mettre directement au réfrigérateur le temps de préparer ma pâte feuilletée. Là, je referme bien mon chou autour. Pour qu'il me forme bien une pellicule. Et donc là, je vais juste, pour permettre de coller ma pâte feuilletée, bien dorer tout le tour, ma pâte feuilletée. Ouais. Je la dispose sur le dessus et après je vais extraire un maximum d'air. Je vais simplement voir où est mon saucisson. Je coupe. Ouais. Et tu refermes. Voilà. Il est bien là. Il est parfait. On peut le décorer comme on veut. Hein. On aurait pu écrire Eline dessus. Eh bien, c'est vrai. Et là, je vais déjà le mettre 10 minutes. C'est parti. Hop, allez, on va découper ça. Je coupe. En premier, ma pâte feuilletée. Ouais. Et donc ça, on le sert avec une petite salade. Une petite salade. Ouais. Sans sauce, pure, parce que de toute façon, on a déjà le... Exactement, on a tout et ça... On a tout dedans. Un peu moins le plat. Bah super, merci beaucoup. Belle fête de Noël. À vous aussi. Merci beaucoup.